À la Chartreuse de Dijon, il y a la cafétéria de l'hôpital psychiatrique. Comme un minuscule radeau, au milieu du grand parc, entouré de pavillons. Qu'est-ce qui te fait vivre ? Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Tu m'entends ? Au Kenya, il y a des éléphants, des lions, des guépards, des léopards, des panthères noires, des crocodiles, des phacochères, des autruches, des impalas, des gazelles, des antilopes, des serpents, de toutes sortes les serpents, des oiseaux, des serpents, des cafards, grands comme ça les cafards, des hippopotames, des rhinocéros, des alligators, des caïmans, des panthères noires, des licaons, c'est comme un chacal, des chacals, des vautours, des gnous, des buffles. Et encore quoi alors ? Et encore quoi alors ? Il y a quelques humains qui se font bouffer quand ils sont pas en sécurité. Il y a des moustiques grands comme ça qui rentrent dans les moustiquaires. Il y en a tellement qui tourbillonnent autour des moustiquaires quand t'as la lampe allumée. Interdiction de sortir le soir si t'as le malheur d'ouvrir la moustiquaire. T'en as 2000 qui rentrent dans la moustiquaire, ça plaisante pas là-bas. Il y a des cobras, des anacondas, un grand serpent le plus dangereux de la planète Terre. Il mange les hommes, il n'y a pas plus dangereux que ça. La moitié de la longueur de la cafétéria. En Afrique, il y en a partout. Ah ouais, j'irai en Afrique. Je partirai d'ici définitivement. Ah ouais, j'irai en Afrique. Je partirai d'ici définitivement. Il y a des chameaux, des dromadaires en Afrique, en Algérie, des lions, des lionnes, des guépards, des gazelles, des gerboises, des licaons, des antilopes, des impalas, des coyotes, des loups, des bêtes à cornes, des beaux oiseaux, les plus beaux oiseaux paradisiaques avec des plumes tout décorées. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a des vipères, j'ai dit. Des zèbres, oui, là j'ai tout dit. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Des phacochères ! Des phacochères ! C'est bon les phacochères ! Et ma sœur, elle aussi, elle a déjà mangé de l'autruche. Bon ben je vais aller chercher mes clopes. Je suis hanté par une femme depuis l'âge de 7 ans. Une femme assez délabrée. Elle doit voir 1000 ans. Ça fait 30 ans que je suis atteinte par ça. Elle ne me parle qu'à moi. Elle parle à ma place des fois.
Elle me rend malade, cette personne qui me hante. C'est à cause d'elle que je prends des médicaments. Quand il y a le bruit des enfants, elle me dit « Pondé, elle est agressive envers moi. Maman, c'est moi qui fais tout, tu es tout le temps à l'hôpital. La semaine, mon mari, il achète des boîtes. Et pendant 12 jours que j'étais à l'hôpital, ils ont mangé des boîtes. Et le soir, mon mari, il me force à voir des rapports sexuels. Moi, je lui ai dit, fin 2013, si ça ne change pas, je divorce. Mais si je divorce, mes enfants seront placés parce que je ne supporte pas le bruit. J'ai rendez-vous avec l'assistante sociale pour demander des infos pour tout ça. Quand une maman est malade et qu'elle ne supporte pas le bruit. Comment ça se passe, madame? Comment ça se passe, madame? Comment ça se passe, madame? Comment ça se passe? Quand une maman est malade et qu'elle ne supporte plus le bruit, comment ça se passe? Comment ça se passe? Je suis hanté par une femme depuis l'âge de 7 ans. Une femme assez délabrée. Elle doit avoir 1000 ans. C'est à cause d'elle que je prends des médicaments. Quand il y a le bruit des enfants, elle me dit « Prends des médicaments comme ça tu Je suis l'homme qui a traversé 17 000 ans épuisé de son éternité. Il dit que c'est la fin. Je suis l'homme qui a inventé toutes les musiques Braille, Julien Clerc, Hallyday et tout Brassens. Je suis celle qui attend Noël pour voir son fils et elle le voit une fois par an. Je suis celle qui n'est pas malade dans sa tête mais une femme de 1000 ans la possède. Je suis la femme qui se donne la mort à chaque saison. Je suis celui qui rêve de rencontrer Tintin. L'autre jour, j'ai fait la tête de Tintin. J'adore Tintin. C'est toute mon enfance. C'est à l'art-thérapie, là, chez Madame Keller. C'est là-bas, tu vois, là, vers la bibliothèque. Plus loin, sur la gauche. Et c'est là qu'il y a l'atelier. T'es belge, non? Oui. Et moi, je m'appelle Eric. Allez, emmène-moi avec toi à Bruxelles. Et emmène-moi à Bruges, où on fait des dentelles. Et si tu peux pas... Tu m'envoies un petit souvenir de chez toi, ou bien quand tu reviens, bah, tu me ramènes un petit Tintin, quoi, non? Allez!
L'amour, ça me fait vivre. Ah oui. L'amour, ça me désaxe. Comme dans un film de Léo Carax, tu connais ? Ouais. Et quand tu partiras, je pleurerai. Emmène-moi avec toi à Bruxelles. Emmène-moi à Bruges où l'on fait les dentelles. Si tu ne peux pas, envoie-moi un petit souvenir de chez toi. Ou bien quand tu reviens, ramène-moi un tintin. L'amour, ça me fait vivre. L'amour, ça me désaxe. Comme dans un film de Léo Carax. Quand tu partiras, je pleurerai. Et tu sais, je suis un grand peintre. On me compare à Van Gogh, à Picasso. Je trace un trait comme ça, je fais un nez, des yeux. Mes toiles sont aux Beaux-Arts de Dijon. Alors, mes peintures, elles ont été acceptées au Louvre. Un carré comme ça, vert, bleu, jaune et rouge. Deux couleurs chaudes, deux couleurs froides. Et moi, je fais pas de mélange. Emmène-moi avec toi à Bruxelles. Oui. Emmène-moi avec toi à Bruxelles. Emmène-moi à Bruges où l'on fait les dentelles. Si tu ne peux pas, envoie-moi un petit souvenir de chez toi. Ou bien quand tu reviens, ramène-moi un tintin. L'amour, ça me fait vivre. L'amour, ça me désaxe. Comme dans un film de Léo Carax. Quand tu partiras, je pleurerai. Et tu sais, j'ai appris à lire tout seul à l'âge de 3 ans. Je démarrais la voiture de mon grand-père. J'étais premier à l'école, j'avais le tableau d'honneur. Mon père était fier de moi, il était ingénieur. J'ai embrassé Stéphanie de Monaco sur la bouche quand j'étais gosse. Et c'était là-bas, Waterloo. Après, je l'ai plus jamais revue. Je sais pas où elle est partie. Pas moyen de dormir ici. J'ai souffert le martyr. Pas moyen de dormir. J'ai souffert le martyr. Souffert le martyr. J'ai souffert le martyr. Souffert le martyr. De toute la chartreuse. Souffert le martyr. C'est moi qui ai le plus souffert. De toute la chartreuse. C'est moi qui ai le plus souffert. Moi, j'ai envie d'être aimée pour ce que je suis et d'aimer. C'est une chaîne, l'amour. Et en ce moment, elle se brise. Des gens, ils font la guerre dans le monde. Imagine, tu vois la Terre. Mais il faut qu'on arrive à se donner la main tous autour de la Terre. Tout le monde, la chaîne de l'amour, comme ça. Le besoin d'amour, il est en moi. Le besoin d'amour, mais pour tout le monde, de l'amour. Plein de lumière, comme ça. Plein de lumière. Et pourtant, moi, pour le moment, c'est noir, c'est tout noir. Mon cœur, il s'emballe. L'amour partagé fera de l'homme l'amour lui-même. On est déjà dans l'amour. Un enfant, il naît dans l'amour. Sans amour, on n'est rien. Allez. Emmène-moi avec toi à Bruxelles. Emmène-moi à Bruges où l'on fait les dentelles. Si tu ne peux pas, envoie-moi un petit souvenir de chez toi. Ou bien quand tu reviens, ramène-moi un tintin. Quand tu partiras, je pleurerai. Dans le parc en pensant à la café qu'il ouvrira un jour au centre de Dijon. Je suis celui qui a préféré faire une tentative de suicide pour qu'on le reçoive ici plutôt que de passer l'hiver tout entier dans la rue. Je suis l'homme qui parle à tout le monde, on le comprend plus, il a perdu ses dents. Je suis la femme qui sirote lentement son coca paille bleue entre les dents, regard vide et sourire. C'est bien de soigner les cons, les idiots, les malades mentaux, les handicapés de la société,
J'aime bien quand on me prend pour un con, j'adore ça, ça me réjouit. Vous y êtes, vous, à l'extérieur? À l'extérieur, vous y êtes? C'est mieux? C'est mieux à l'extérieur? Est-ce que c'est mieux? Vous êtes payé par l'hôpital? Vous exploitez les handicapés? Vous faites partie des dames au chapeau vert? Vous êtes bienfaitrice? Si je vous invite, c'est pour me parler à moi. Je vous invite pour boire un verre, vous me parlez à moi et pas à tout le monde comme ça. On s'intéresse un peu à tout le monde, un peu à tout le monde. Si moi je vous invite à boire un verre, c'est pour me parler à moi. Comment va ma santé? Pas le pire, pas le mieux. J'ai des ennuis urinaires, incontinence, les deux reins foutus, dialysés 3 fois par semaine, je peux plus être chez moi. Le docteur, il m'a mis au long séjour, handicapé, c'est grave, j'ai insulté un psychiatre. Je lui ai dit que c'était un hurluberlu, un trafiqueur de tête, un réducteur de tête, vous exploitez la misère humaine. Je vais à la messe, c'est très important, cato-cato, je suis cato-cato, j'ai loupé ma vocation. J'ai loupé les maths, tangente, tangente, prendre la tangente. Je parle beaucoup pour ne rien dire, mais il y en a qui parlent très très peu pour dire des fois beaucoup, pour dire beaucoup, beaucoup. Un briquet, donnez-moi un briquet jaune comme le soleil. Ça va? Ça va, fatigué, mais ça va. Comme disait Jésus-Christ, vous aurez toujours la misère avec vous, moi vous ne m'aurez pas toujours. Lui là, c'est un présentateur de commerce en machine à bois. Lui là, il est un peu cinglé. L'autre jour, il disait « J'ai l'éclair de Jupiter dans la main gauche et Neptune à la main droite ». Lui là, il est bien sympa, mais il sait même pas où il est. Ceux ici qui se rendent compte de rien, ils s'en foutent, mais il y en a ici, ils savent mieux qui ils sont. Mon père, il avait une bonne situation, inspecteur principal des contributions. Il aimait bien manger, bien vivre et boire. Il était droit, mon père. C'était la catastrophe à la maison depuis l'âge de 4 ans. Mon frère me tabasse, mon frère me casse, mon frère me tabasse, mon frère me casse. Mon père disait toujours, je veux pas que plus tard mes enfants s'engueulent entre eux. Vous êtes le bouc émissaire de la famille, elle a dit ça, la psy. On casse pas la gueule à son frère parce qu'il a lu des livres qui lui plaisent pas. On casse pas la gueule à son frère parce qu'il a lu des livres qui lui plaisent pas. Il m'a fait placer en psychiatrie avec des monstres, pas de sanitaire, rien. Ils m'ont mis un drap autour du cou, ils m'ont rasé la tête. J'avais 23 ans, j'ai essayé de me sauver, j'ai été brutalisé. Mon hospitalisation ici, c'est un scandale, tout le monde l'a dit. Ils m'ont collé une pension d'incapacité. Mon frère m'a piqué mon appartement, ma bibliothèque. Mon frère m'a piqué mes affaires, mon identité, ma vie. J'irai où après si j'étais plus ici? Condamné par la famille, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Carcéral au possible, il faut sonner pour sortir, il faut sonner pour entrer. Moi j'étais sur des pavillons où ils tapaient sur des patients qui voulaient sortir. J'avais écrit l'oiseau bleu, ceux qui se prennent pour des oiseaux on les encage. Ceux qui se prennent pour des oiseaux on les encage. Il m'a dit ça l'infirmier. J'ai écrit un bouquin une fois sur une machine à clavier, j'ai écrit 700 pages, ils l'ont foutu en l'air, ils jettent tout ici, moi quand je serai mort, ils me jetteront. Ils m'ont baisé, mais les psychiatres, ils sont incorrects, ils ramènent tout à leur psychiatrie, la politique, la religion, tout, ils ont toujours raison, j'en ai ras-le-bol des psychiatres, ils ont brisé ma vie, des cons, des salopards, ils m'ont cassé la gueule, la première hospitalisation, 8 mois, quand mon père est mort, mon frère s'est pris pour le roi, je suis condamné à être là, des fois j'en ai lourd sur le cœur, sur l'esprit, sur le corps, j'ai le sexe abîmé, moi, avec les neuroleptiques, ils ont arrêté tout ça, je suis cantonné dans des compartiment, vous avez vu ma chambre, j'en sortirai jamais. La maison de santé à Paris, la prison Villejuif, c'est pareil. C'est des trucs de cons les prisons. Moi j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Les gens ils te parlent comme s'ils te connaissaient depuis 40 ans. Je te vois, je te connais, c'est ridicule. Je te vois, je te connais, c'est ridicule. Je te vois, je te connais, c'est lamentable. L'infirmière neutre au maximum, elle est dans votre chambre. Personnel en blanc avec des clés. Tout est sécurisé là-dedans. Y'a que des cons, y'a que des cons là-dedans. Ils se rendent compte de rien là-dedans. Le psychiatre il se prend pour le préfet, pour le maire. Tu parles trop fort, tu parles trop fort. Attention, on te fait une injection. Tu parles trop fort. Tu parles trop fort, attention, on te fait une injection. Un psychiatre ici, il a fait un colloque sur le suicide et puis il s'est jeté par la fenêtre. Ils sont tous zinzins ici, Pas besoin de faire des études supérieures pour être gardien de tôle. Dégueulasse pour te remettre de ça. À ma première hospitalisation, j'ai été condamné, banni, maudit, condamné. Ils ont dévié ma vie, complètement déviée. Qu'est-ce que je fous là-dedans? Qu'est-ce que je fous là-dedans? Je suis lucide. Moi, je vois tout. Moi, je vois tous les gens comme ils sont. J'avais un appartement. Moi, j'avais tout ce qu'il me fallait. Mais je peux pas vivre tout seul. Je peux plus faire mes courses. Je peux rien faire. Qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me fait vivre? Rien me fait vivre. Des fois, certaines musiques me rendent joyeux. Ou quand j'ai une compagnie agréable, ça me rend joyeux. Quand je peux, je lis la Bible. C'est un monument, la Bible. Un livre complet, éternel, ça me fait pas vivre. Mais ça me permet de vivre là-dedans, dans la misère. J'aime bien le jazz, la musique classique, les variétés. J'ai joué du saxo ténor, j'étais pas une vedette. J'ai joué comme soliste dans une harmonie. Tout l'orchestre s'arrête. Je pousse mon solo. Et puis je reprends. Ah oui,
Ça me rendait heureux. Vous, c'est votre gagne-pain. Moi, je suis pas là pour faire diversion. Moi, je suis un taré. Vous l'êtes pas.